Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre comment je plante les oignons en pleine terre. Ils adorent les sols fertiles, meubles, légers comme vous le voyez sur ces images. Ils aiment aussi le phosphore qui leur assure une bonne croissance racinaire, qui les stimule. Ils ont besoin d'azote et ils ont surtout besoin de potassium. Après avoir tracé des lignes distantes de 40 cm, j'entreprends de repiquer les oignons qui sont tout petits. Hein. Je les ai simplement semés le 30 janvier et nous sommes le 14 mars. Ça fait tout juste un mois et demi. Je voudrais préciser que sur cette parcelle où vous me voyez repiquer, il n'y a pas eu d'oignons depuis au moins 3 ans. Ceci, c'est pour éviter les maladies, hein, type la mouche de l'oignon ou des résidus de mildiou qui pourraient rester d'une année précédente ou des années précédentes. Ceci dit, vous avez pu constater que je plante les oignons vraiment très très petits. Beaucoup de gens me disent que je suis trop pressé, que ça ne va pas fonctionner. Et finalement, ça fait des années que je pratique ainsi. Et vous aurez l'occasion de voir, si vous suivez mes vidéos, l'évolution de ces tout petits oignons, pas plus gros qu'un cheveu. Pour être totalement honnête, je dois quand même reconnaître que petits comme ça, ils font la joie des vers gris. Il n'est pas rare que j'en retrouve coupés à la base. Là, je repique, alors en appuyant bien sur la racine et en ne plantant que la petite partie blanche. Je ne repique pas intégralement dans le sol. Voilà, j'appuie avec les doigts pour chasser l'air et je termine par un arrosage. Toujours dans le même but de chasser l'air. L'espacement entre deux oignons est à peu près de 8 à 10 cm. Moi, je me sers de mes doigts pour avoir une mesure approximative. C'est vrai que je m'y prends un peu tôt pour repiquer les oignons, mais j'ai constaté que lorsque je les replantais trop tard, c'est-à-dire après le 15 avril chez moi, ils allaient mûrir en même temps que les autres et avant d'avoir terminé leur croissance. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci à tous et à très bientôt, j'espère.